numéro et oui de RTV en commune spéciale Intrépide ici même à Saint-Charles-Goubert. Et oui, là maintenant on va faire la connaissance de Julien Gims, le président. Il va vous montrer des images d'archives de lui. On va vous montrer vraiment comment c'était avant. Ça c'est dans RTV en commune. Vous êtes prêts? On y va! Ce sont des histoires, tu vois. C'est ma vie, donc je suis là qui retrace. Ce document retrace tous les procès-verbaux de l'Intrépide depuis 1945. Et tu gardes tout ça? Oui. Alors, c'est pour ça que quelqu'un est venu ici me dire qu'il est rare, il sera difficile de trouver une association qui possède ça. Parce que j'ai toujours aimé serrer. Tu vois, donc tous les procès-verbaux les années, depuis 1945, hein, tu vas trouver peut-être sauter une année comme ça là-dedans, mais tous ces documents, c'est pour ça, la commission patrimoine que j'ai fondée là, ouais, va tout mettre en place et bientôt, surtout dans le programme d'activité de cette année 1965, pour le 75e. Tu vois ça, ici, c'est l'Intrépide. D'accord. Ce document, c'est toute l'histoire, c'est tous les documents de l'Intrépide. Tu vois, tous les procès-verbaux. Et c'est bien rangé en plus. Moi, je ne range pas mes papiers comme ça. Hein. Non, maintenant, ce n'est plus ça. C'est bizarrerie, c'est le machin de bizarrerie. C'est l'histoire de l'Intrépide. Et tu as les papiers depuis quand? Depuis 75 ans? Oui, oui, c'est fou. La section féminine, les noms, les anciens noms et tout ça. Donc les anciens, on a vos noms, on a vos noms, vos adresses, on va vous retrouver. C'est tout ça c'est l'Intrépide. Ce bouquin, c'est moi, c'est ma vie, ça. Alors montre-nous un petit peu ta vie. c'est ma vie. Alors c'est-à-dire que vous allez voir beaucoup de choses dans ça. Oui, c'est mon voyage en Irak. Okay. Vous voyez, ici, là. Il faut qu'on aille vite. Ah, comme le bon vin, l'Intrépide se bonifie avec le temps. Ici, là, vous avez mon passage en Irak. Ça, c'est mon histoire. Ma vie de pays, travail. Okay, donc, tu as même été en Irak? Oui. Tu as fait combien de temps en Irak? Un mois. Ok. Oui. Ça, c'est ma femme. C'est ma photo. Jette ça comme si ça n'était rien. Attends. Non, mais voilà ma photo. Oui. Ah oui. Gros plan sur le beau gosse. Jeune garçon. Ouais. Jeune garçon, voilà, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Regardez-moi ça. Bien habillé, la classe à la Guadeloupéenne. Non, c'est une vie, ça. Voilà, elle est là. On vous voit. c'est la photo auquel on a récompensé la société qui a fait. Alors, son Jean. C'est lui, c'est de lui le syndicat. Ça, c'est en Irak. C'est des photos qui ont été faites en Irak, ça. Ah ouais? Oui. C'est en Irak. Et tu étais allé faire quoi en Irak? Un syndicat. D'accord. J'étais représentant du syndicat. Tu vois ici, même la route de Mouret, cette ouais. Route-là, pour descendre. Regarde ça. Ah ouais, là, on plonge dans l'histoire, là. Oui, alors là, c'est Bagdad. Le voyage de Julien Gims au cœur de Bagdad. Il a tout fait. Alors, non, mais c'était un plaisir pour moi. On a l'impression d'être dans un film. Regardez-moi ça. C'est la route de Mourin. J'avais été chercher tous les habitants de Mourin pour poser la première pierre avec Riach. Parce que Riach était au conseil général, il était conseiller général. Ouais. Alors, il m'amenait avec lui, même à la préfecture, quand il y avait des réunions. Au moment de décider pour commencer la route, il m'a amené avec lui, il m'a appelé. On a été à la préfecture pour
prendre la décision de commencer. Et au moment de poser la première pierre, j'ai rassemblé tous les habitants de Poix, parce que j'avais été les voir pour permettre à Riach à devenir conseiller général, vous voyez, quand il était dans la politique. Oui, c'est mon histoire, c'est ma vie, tout ça représente tout moi. C'est un plaisir pour moi, comme j'ai fait pour l'Intrépide, pour tout ce qui est ici, comme j'ai fait 17 ans d'ébénisterie. Donc okay. Pour moi, c'était un plaisir. De... Non, c'est du soir. C'est bizarre. Ah, l'équipe de foot. C'est toute l'histoire. C'est à tout ce bouquin-là, mais on représente. Ok, je pense même que tu as rénové aussi. Quelle belle histoire. Je pense même que tu as rénové l'Intrépide. Là, il y a eu des petits problèmes, des petites intempéries. Il y a une salle au fond là qu'il faut que tu nous montres. On y va? Eh oui, mais ça c'est dans l'épisode de demain. Eh oui, il y a été vent commune spéciale 75 ans d'Intrépide. On se retrouve demain, vous verrez ce que l'Intrépide vous propose. Si vous êtes sur la région de Basse-Terre, n'hésitez pas, que vous cherchez un lieu pour faire du sport, de la danse, du karaté, peu importe. Eh, ça se passe ici, Saint-Charles-Gourbert. Rendez-vous demain dans ETV en commune. Moi je reste avec Président. Viens Président.